Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va monter les blancs en neige, on va voir comment les réussir et bien sûr les raffermir. Voilà, bon, c'est juste pour les blancs en neige, hein, mais pas pour le reste. Hein. Donc, c'est parti, on va peser 186 grammes de blanc d'œuf, c'est l'équivalent de 4 blancs d'œufs, les gros, hein, les gros œufs. Donc, si vous n'arrivez pas à avoir les 186, c'est pas grave, vous utilisez juste 4 blancs d'œufs et c'est tout. Donc, ensuite, on va peser 130 grammes de sucre. Voilà, et puis on va passer au montage. Hein. Donc, on va mettre nos blancs dans le bol du robot avec une petite pincée de sel, bien sûr. Et puis, on va commencer à la vitesse 2, juste pour les détendre d'abord. Et puis après, on va augmenter la vitesse à 6. Voilà. Mais je mets un petit peu de temps parce que j'hésitais un petit peu. Donc voilà, je réfléchissais et puis j'avançais en même temps. Oui, c'est comme ça dans la vie aussi. Hein. Donc voilà, j'ai mis la vitesse 6. Et puis là maintenant, on va la laisser tripler, mais quadrupler de volume. Il faut qu'elle soit blanche, vraiment blanc. Comme la neige et comme la mousse, voilà, comme roi en fait. Donc voilà. Donc voilà. J'en profite bien sûr pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Hein. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche hein, pour recevoir les nouvelles vidéos. Bien sûr de cliquer sur le bouton s'abonner d'abord. Donc voilà. Et voilà. Et de liker et éventuellement si vous aimez la vidéo. Donc voilà, là nous arrivons à l'étape où on va rajouter le sucre. Vous voyez, c'était tout blanc avant que je commence à mettre le sucre. Donc je vais mettre le sucre en 6 fois. Donc voilà, les 130 grammes de sucre. Donc voilà. En gardant la même vitesse, hein. Et puis on va laisser tourner, 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 tourner jusqu'à ce qu'elle soit ferme. Bien sûr, une fois que vous avez rajouté le sucre, vous continuez encore à la faire tourner 3-4 minutes derrière et vous allez voir, ça passe crème. Ça passe crème comme une crème. Donc voilà. Alors là, je pense que c'est bon. Voilà. Les blancs en neige, bien comme la neige, ferme et très très résistant. Voilà, vous voyez. Voilà, machallah. Donc je vais juste attendre qu'elle se mette à enlever le fouet, puis vous montrer le résultat. Donc voilà. Et puis vous voyez, je suis obligé de forcer un petit peu pour pouvoir faire totalement sans ferme, pour pouvoir touiller quoi. Et voici le bec d'oiseau. Donc voilà, c'était mon astuce pour réussir ces blancs en neige. J'espère que vous allez essayer cette recette. Vous n'aurez plus de problème pour monter vos blancs en neige. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec Chiwetzimbladi. Partagez, likez. Salam.